direction la route. Enfin, direction, on prend la route, direction Zolder. Donc on se retrouve dans quelques secondes. A tout de suite. 5 minutes. Alors, c'est très intéressant. J'ai vu à peu près la plupart des circuits où ça se passe et tout, dont le Nürburgring, dont Magdebourg. Et la particularité de celui-ci, c'est qu'on a l'impression qu'on va bosser quand on y va. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est dans une zone industrielle, on a l'impression d'être perdu, mais tout est bien indiqué, hein, tout est bon. Mais il faut y voir toutes les entreprises qui y sont. C'est le petit détail que je me suis permis, que je pense que je laisserai dans la vidéo finale. Un peu surpris de voir ça. Donc plus de 2,9 km sur des routes. Ah oui, parce que là, oui, je tenais à en parler là. S'il y a des Belges qui passeront sur cette vidéo, je voudrais vous demander qu'est-ce que votre gouvernement a dans le cerveau quand même. Parce que j'en ai pris des routes, hein, sincèrement, je ne suis pas le plus gros routier du monde, mais j'ai quand même un bon kilométrage. Je n'ai jamais vu des routes aussi défoncées que les vôtres. J'ai l'impression que la Seconde Guerre mondiale a vient de se finir il y a 2 ans chez vous. Catastrophe. Donc, nous voilà. On fait des bons dans cette voiture. On a les vertèbres, elles vont être tassées avant le circuit. On va arriver, le circuit pour nous, ça va être un billard. Voilà, on va vouloir rouler que sur le circuit après. On sortira plus du circuit. Donc. Ah, ça commence à sentir bon cette histoire. Ouais, non, mais regarde sa carrière là. C'est perdu. Ah, circuit Zolder. On l'a vu, hein. On l'a vu, petit circuit. Alors là, on passe de la zone industrielle au petit village tout mignon. Tout est labyrinthe ici. L'hôtel c'est un labyrinthe, le circuit est un labyrinthe. Ça fait quelque chose quand même d'être. J'ai l'impression d'avoir intégré le projet de carte. Je me dis merde, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on se retrouve une nouvelle fois dans quelques minutes, histoire d'accéder. Ça fait plaisir d'être enfin sur le circuit. On va voir ce que ça va donner. Ah, ça sent vraiment le merveilleux. Ça y est, on vient de sortir du ticket office pour aller récupérer les places pour aller rouler sur. Que vous pouvez voir actuellement tourner. Alors je sais pas si avec la GoPro on va pouvoir bien les voir passer. Bon côté positif de cet organisme, que j'arriverai pas à prononcer le nom, je m'en excuse d'avance, c'est trop compliqué. Si je vois un petit panneau, je leur ferai un petit coup de pub juste pour le plaisir, parce que c'est vraiment très gentil. Parce que ce ne sont que les Néerlandais. Donc qui dit Néerlandais, qui dit les Verstappen. Et bon, je veux dire Verstappen. Ils parlent de la bonne attitude qu'ils ont, ils sont très gentils, très cool, mais qui parlent leur langue. Et le Verstappen, c'est comme l'allemand. C'est incompréhensible, c'est quelque chose de hyper complexe. Mais bref, et on a eu la chance, il y avait une femme française qui a pu très bien nous aider, donc c'est impeccable. Donc voilà, on vous fait la petite visite des lieux en attendant. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de voitures de partout. Nous, la nôtre est garée tout au fond. D'ailleurs, il y a une petite MX-5 qui s'est foutue entre les deux. Maintenant, on va reprendre les commandes de la bête. La pauvre dame, qu'est-ce qu'elle fout là, la pauvre dame? Eh ben, on pourra même faire une petite dédicace à un très bon ami qui nous a longtemps soutenu avec ses petites GoPro. Il s'appelle
Jérémy. Jérémy, merci à toi. On te fait une petite dédicace avec cette petite MX5. Et d'ailleurs, t'as intérêt à t'en racheter une. Vous avez même le centre de karting aussi, qui est directement accès ici. Donc oui, une très bonne odeur. Pour ceux qui connaissent un peu, vous savez de quoi on parle. Ensuite, donc vous avez la grande ligne droite ici. Donc toujours, vous inquiétez pas, ici ça reste bien le parking. Hein. Voilà monsieur qui est en train de filmer en même temps que nous. Donc, sachez que si un jour vous allez à Zolder, c'est l'autobar en fait. Qui est là où est-ce que vous pouvez vous servir. C'est un restaurant où vous pouvez boire, manger ou autre. Et c'est là aussi où vous pouvez accéder au ticket. Parce que nous, on a dû faire un petit peu le tour des lieux pour réussir à trouver ça. Et heureusement, on a encore tombé sur des Néerlandais. Des Néerlandais très gentils, franchement. C'est un pays qui est vraiment très agréable. Donc, vous voyez. Alors, je tiens à dire qu'on va être un peu dans la merdouille, nous, quand même, parce que. Comment dire. Il n'y a que des caisses préparées. Voilà, nous, on est des touristes. Vraiment, on porte. Le nom touriste va être très, très bien attribué parce que. J'ai qu'une connaissance virtuelle du circuit. Déjà, ça va être une première pour nous. Mais en plus, quand vous voyez les monstres qu'il y a là, et je vous parle pas de toutes les caisses qui sont préparées, qui sont montées, tout le bordel, à mon avis, on va se faire un petit peu en papaouté. Je pense. Hein. En plus, on n'a pas de vol, il n'y a pas de pluie. Donc ça peut pas réduire trop les performances, parce que les mecs, ils vont pouvoir tartiner un poison. Mais bon, c'est la station essence. Ensuite, là on va y accéder après en haut. Vous allez voir là au niveau du Race Center en fait. Race Control Center. Vous avez ensuite. Magnifique son petit sourire à lui. Vous avez ensuite l'entrée et la sortie du circuit. Comme ça, ça va être aussi très intéressant à savoir pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là on va monter. Race Control Center. On va voir un peu déjà le dessus de la des voitures. On va aller voir, même si on a déjà un bel aperçu. Que ça tourne hein. Ici c'est la grande ligne droite, donc la pit lane qui se situe juste ici, la ligne droite qui est juste là, ça part dans ce sens là comme ça. Alors, on a un panorama franchement. Lui nous fait le plaisir de passer en douceur, c'est parfait, comme ça on l'a bien en visuel. Alors vous voyez ce virage là, là, celui qui est là, là, c'est celui-là que je sens que je vais partir au teint moi. Vous auriez vu la tête de Madame Choumi, elle a sa vente du. Alors je dis ça pourquoi, c'est parce qu'en fait, je me connais, quand je suis sur la ligne droite, je tartine comme un malade, et je... Je sais pas si je me... Comment on pourrait dire? Si je me surestime ou si je surestime la bagnole. Ou si je surestime les deux. Et j'arrive un peu fort dans les virages. Et bah parfois trop fort en fait. Donc vu que je suis un peu gaga des virages.
T'as vu, je te dis, c'est la petite C1. Le mec, il a préparé une petite C1. Qu'est-ce qui se passe si la petite C1 nous la met? On rentre, on fout plus plus à la casse, je me sépare de toi, je bats ta pelle le voisin et je me suicide après. Non, plus sérieusement, non, c'est vrai qu'il y a vraiment des monstres. Parce que si on est comme des cons devant un téléphone et qu'on nous entend pas, bah putain, on va passer pour des ânes. Et donc au cas où, si vous avez pas entendu, on disait, on va essayer de retourner sur le circuit. Merde, j'ai mis ma gueule en plein dans la lentille, mais n'importe quoi. Regarde-moi cette petite serre là, comment elle bombarde. Moi, cette petite serre là. Avec les petits retours de flamme là qu'on entend là. Oh, paf! Mais ouais, dès qu'il fait des grosses températures, en particulier quand c'était. Attends, que la caterra passe. Voilà, merci. On pourrait faire un peu moins de bruit la caterra, mais putain, on s'entend plus là. Oh là là, mais c'est l'eau qui s'y met avec ça, c'est. Bon là, putain, on va pas s'entendre. Donc je disais. Ouais, mais il est énervé lui avec sa C1, putain. Et moi je pense qu'on va rouler à côté de lui, il va nous mettre la honte, hein. Sincèrement, si je me fais péter par la C1. J'arrête YouTube, j'arrête le Facebook, j'arrête les vidéos. Et je me considérerais comme fan de Lewis Hamilton. Voilà, c'est dit, c'est fait, vous avez entendu. Bon, on prend pas grand risque, hein. Je dis ça, si on se prend une branlée, putain. Je vais devoir mettre hashtag 44. Hashtag 4 RM qui arrive comme une balle, putain. Donc voilà les bestioles qui arrivent. Ça vient du circuit. Oh, le pop and bang qu'il a lui. Oh putain. Ouais, il est préparé sa merde. Mais c'est quoi ce truc? Ok, je retire ce que je viens de dire sur Lewis Hamilton. J'en doutais. On débarque pas sur un circuit comme sur un jeu vidéo, faut vraiment qu'on soit ok, parce que là ici l'erreur, il n'y a pas de start recommencé. Là c'est start bac à sable. Et encore, ici, faut reconnaître ici qu'on a un avantage, c'est qu'il y a quand même des espacements. Quoi. C'est grand, il y a des grands bacs à sable. Voilà, il y a des grands bacs à sable, on mange le mur, c'est ça. De la place. Donc si on se viande comme des ânes, au moins. La voiture, elle prendra juste du gravier dans les chicots et puis ça y restera là, quoi. Par rapport au Nürburgring où... Tu te plantes, tu finis. Ah, tu finis dans la forêt, là. S'il n'y a plus de live, bah c'est qu'on est mort. Rappelez-moi de le taper à la fin de la journée. Allez, c'est parti, on y va maintenant. Champion du monde. Ah, c'est pas gentil. C'est pas gentil.
beaucoup.